Ah, le président est là. Je le vois. We start? Okay. Dear Vice President Bonjouat, Ah. dear Mr. Martinez, Hello. dear Vice President Noaldi, dear Mrs. Fishfoot-Rovell, dear colleagues and guests, ladies and gentlemen, a warm welcome to the 12th Liborum event for a discussion about the book Le Grand Livre de la Civilisation du Maroc by Jean-Claude Martinez. As I thought about the upcoming book presentation, my mind drew parallels to the white city, Casablanca, a connection Mr. Martinez himself acknowledges in his work. As I thought about the upcoming book presentation, my mind drew parallels to the white city. Firstly, my thoughts drift on to the historic conference of Casablanca in January 1943, where the British Prime Minister Winston Churchill and the American President Franklin Delano Roosevelt, the leaders of the Alliance for Defending Freedom and Democracy in Europe, determined that the path to post-war peace lay not in negotiation, but in the military victory for liberty and democracy, and in the unconditioned surrender of the German aggressor. That the paths to victory and to the end of war in Europe was determined in Morocco. Secondly, as many of you may have experienced, the iconic movie Casablanca echoes in my mind, Oui. with the cafe resounding to the notes of the Marseillaise, winning a competition singing against the German SS officials. The Casablanca airport then was a narrow gate for exit out of oppression, hate, and fascism in Europe to freedom and security across the Atlantic Ocean. And particularly, you all will remember, as I do, the unforgettable closing line of the Casablanca movie. I think this is the beginning of a beautiful friendship. Morocco has a unique position at a crossroads of the African and the European continents. In his latest publication, Mr. Martinez defines Morocco alongside Algeria, the EU biggest trade partner among the southern neighborhood countries, as a country that is situated a few kilometers from Europe with roots in Africa, an Arabic country with strong Muslim roots, a balcony to the world of migration and radicalization. But it is also a country which has close link to the European Union. And I quote from the book: "À seulement 15 kilomètres de distance, les relations du Maroc et de l'Europe n'ont pu que se poser sinon depuis des temps géologiques, du moins depuis les siècles historiques.
Morocco is a fascinating country. I'm confident and confident that today's event will provide us with further knowledge over the next hour, thanks to our speakers that I warmly welcome. First, Mr. Benjouad, Vice President for Research and Innovation at the University of Rabat, will provide us an introduction, followed by a presentation of Mr. Martinez and his book by FMA board member Gottlieb Quisthoudt-Rowohl. Afterwards, FMA Vice President Monica Baldi will facilitate a question and answer session with the audience and will conclude the event. A final remark, technical remark. English and French interpretation is available for participants connected via Zoom. For those who are following the event on the FMA YouTube channel, live stream, only a language, the language of the floor is available. Both the English and the French interpretative versions will be at your disposal after the event. I now give the floor to Vice President Benjouad. Please. Merci, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur Klaus Hansch, Monsieur Jean-Claude Martinez, chers présents, membres de l'ADD, C'est bon? It's okay? Okay. Yes. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs pour m'avoir associé à l'ouverture de cet événement que je qualifie d'exceptionnel. Je voudrais remercier M. Hansch pour l'introduction et en tout cas la description un peu du positionnement du Maroc et de ta place, mais également des traits de son histoire. Et je suis vraiment honoré de prendre la parole en cette occasion de présentation du grand livre de la civilisation du Maroc, notre cher Jean-Claude Martinez, que je salue vraiment encore une fois au passage. D'être présent ici, mon plaisir est double. D'abord parce que le livre en question porte sur la civilisation du Maroc, mon pays, dont la civilisation est tellement enracinée dans l'histoire et qui constitue aujourd'hui, selon les experts du domaine, un modèle exceptionnel au carrefour des civilisations et des nations. C'est le grand royaume chérifien, au l'art de vivre ensemble, du point de vue religion, minorité, genre, est une réalité à la fois millénaire et contemporaine. Deuxièmement, nous avons eu le plaisir d'accueillir notre cher Jean-Claude Martinez, qui nous a fait l'amitié de nous visiter à l'Université internationale de Rabat et partager avec nous sa passion qu'il a mise dans cette œuvre et les contours parfois avec profondeur de son livre sur la civilisation du Maroc. Ce livre est une vraie encyclopédie sur le Maroc où nous-mêmes, Marocains, nous apprenons beaucoup de choses à travers ce livre. Des choses qu'on ne trouve pas aisément dans la littérature ou dans les livres d'histoire. C'est un vrai travail de recherche et je tiens vraiment à remercier et à féliciter chaleureusement M. Martinez pour sa générosité et ce travail passionné et de longue haleine. Un exercice unique en son genre que les lecteurs et les chercheurs qui s'intéressent à la civilisation marocaine, soient d'ailleurs marocains ou extérieurs du Maroc, y trouveront des informations très, très riches et enrichissante sur le Maroc. Certainement, en cette rencontre, nous allons découvrir avec beaucoup d'intérêt, mais également beaucoup de belles choses sur le Maroc et sa civilisation à travers cet impressionnant ouvrage. Encore une fois, merci beaucoup, cher Jean-Claude, merci beaucoup à l'ADD, et je suis vraiment très, très honoré
d'être avec vous et de suivre le déroulement de cet événement. Merci beaucoup. C'est maintenant le floor pour Godley Christoph Rowell, that's correct? Yeah. Mr. Martinez. Vielen Dank. Vous me comprenez? Oui. Oui, ça va. Bon, alors. Très bien. Bonsoir à tous et à toutes. Merci de participer à cet événement de Librorum. Dans ce monde en disruption, je ne vais pas vous énumérer toutes les crises et leurs conséquences pendant ces dernières années. Il est essentiel que l'Union européenne vérifie sa position, si nécessaire, rééquilibre ses politiques extérieures et ses coopérations, et surtout, tout ceci, évidemment, avec ses voisins. Et c'est pourquoi ce livre vient à point nommé et réussit à combiner l'histoire et une vue pour l'avenir, et ceci avec une foison de détails. Je vous présente d'abord notre auteur, Jean-Claude Martinez, homme politique et juriste français, professeur émérite à l'Université Paris II, spécialiste de droit fiscal, auteur de plusieurs livres et articles sur ce sujet, docteur honoris causa de l'Université de Sao Paulo, et maintenant je raccourcis et je passe à un point suivant. Jean-Claude Martinez est parti très tôt en coopération au Maroc et devient le conseiller fiscal de Hassan II, ce qui lui a permis de participer à l'élaboration de la politique fiscale du pays. À partir de 1986, il est professeur en droit public et sciences politiques à l'Université de Paris. Et en cette capacité, il est invité aux universités de Bogota, Kinshasa et Monterrey, entre autres. Depuis 1981 ou 82, ça, c'est pas tellement clair, j'ai l'impression. Il s'engage dans la politique et, après un certain flottement, rejoint le Front national. À partir de là, Jean-Claude Martinez est conseiller municipal, député de l'Hérault en 1986, ensuite député européen, conseiller régional du Languedoc-Roussillon, et vous voyez déjà qu'il a œuvré sur plusieurs niveaux. Mais j'ai l'impression qu'il est difficile de définir ses positions politiques au cours de ces années. On observe quand même un certain fil blanc, une constante. Il est libéral économiste qui, avec l'âge ou avec le temps, devient favorable à un protectionnisme rigoureux. Mais surtout, Jean-Claude Martinez est un profond connaisseur du Maroc et de son administration, pays sur lequel il a publié plusieurs ouvrages. Et je crois que ce qui le caractérise vraiment, c'est qu'il est surtout lui-même. Et il le dit d'ailleurs de lui-même, il se définit comme martinésien. Le grand livre de la civilisation du Maroc mérite bien son titre avec ses plus de 800 pages. Notre vision du Maroc est peut-être restée dans le temps des peintures de Delacroix, du voyage de Pierre Loti, mais ce pays s'est fortement transformé pendant les dernières décennies et c'est le mérite de l'auteur de nous le communiquer. Du point de vue technique, la table des entrées à la fin du livre, à elle seule, comprend environ 15 pages, le glossaire arabe environ 10 pages, la bibliographie que l'auteur qualifie de sommaire à 7 pages complètes. Ce qui signifie que Jean-Claude Martinez s'est donné beaucoup de mal pour ce livre et a fait de longues longue ou pas, mais a de toute façon fait des recherches. Maintenant, l'Europe, le Maroc. Depuis plus de 1300 ans, il y a des relations d'Alarcos,
à Bruxelles. À l'Arcos, je l'ai appris en lisant dans le livre, en feuilletant, le 18 juillet 1195, victoire sur Alphonse VIII de Castille par le sultan Almohad Abou Youssouf Yacoub. J'espère que je prononce bien. Alors, de là à Bruxelles, de la bataille des trois rois à la candidature d'un roi à la communauté européenne. Les relations entre le Maroc et l'Europe étaient le plus souvent guerrières au cours de l'histoire. Elles sont en conséquence devenues diplomatiques, mais maintenant, actuellement, elles sont surtout économiques et familiales, principalement familiales. 35 millions de Marocains résident au Maroc, 3 millions de Marocains résident en Europe. Cela change le type de relation. On échange toujours des ambassadeurs et des consuls, mais encore et surtout des SMS, des WhatsApp, des virements, des milliers de voyages par air ou par mer. Comment caractériser la politique du Maroc? Il y a, au cours des siècles, une modération méthodique de l'action diplomatique marocaine. La politique du juste milieu et de la modération a été une constante dans la conduite de la politique intérieure et de la politique étrangère du royaume. Je cite le site web de la représentation permanente du Maroc aux Nations Unies à Genève, où je cite aussi un ministre marocain qui a baptisé cette forme de « bridge building diplomacy ». Le roi Hassan Ier a prouvé l'efficacité de ce type de diplomatie. Il a réussi de préserver l'intégrité du territoire de son pays contre les nations impérialistes d'Europe à ce moment-là, l'Espagne et la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, et ce jusqu'à sa mort en 1894. Mais nous vivons au troisième millénaire, le présent. Où en sont les relations entre l'Union européenne et le Maroc? Et plus spécialement, où en sont les relations entre le Parlement européen et le Maroc? Ici aussi, il y a des constantes. Le Sahara marocain fait régulièrement le sujet de débats au Parlement, surtout le réseau Polisario. L'auteur évoque avec une pointe d'ironie la fascination que le désert exerce sur ses collègues et nous dévoile une anecdote sur une députée allemande de ma région. Elle habite à 30 km de chez moi et je n'en avais aucune idée, je n'ai jamais su en fait ce côté privé de son engagement politique. Depuis 2015 jusqu'en 2019, il existe un intergroupe Paix au Sahara occidental dont les membres sont en majorité des écolo-communistes. À ce moment-ci, je cite à nouveau M. Martinez. Le Parlement a voté ces dernières années un protocole à un accord agricole entre le Maroc et l'Union. Ce en janvier 2019, un autre sur la pêche en février 2019, un grand accord agricole Europe-Maroc quelques années plus tôt et en 2018, la renégociation de l'accord de pêche. Et vous savez tous que ça fait toujours beaucoup de difficultés. Mais on est arrivé à un accord et des deux côtés de la Méditerranée, on trouve que l'accord est positif. Je me rappelle aussi des discussions échauffées à chaque débat sur les quotas de tomates marocaines, sujet qui revenait régulièrement à l'ordre du jour, plus ou moins toujours à la récolte des tomates presque chaque année. Dernier point que je mentionne, il existe aussi un groupe d'amitié et Union européenne-Maroc. Il est clair. Bon. Mais une remarque concernant tout ce que je dis ici et les commentaires de l'auteur dans son livre.
il est clair et normal que la position des députés sur les différents sujets à voter, dans ce cas-ci, sujet concernant le Maroc, que cette position diffère selon leur appartenance politique, gauche-droite, ou selon leur nationalité, ce que l'auteur décrit assez longuement et avec une certaine forme d'ironie également. Jean-Claude Martinez a construit son livre non en chapitre traditionnel ni en forme d'interview, mais tout simplement en suivant l'alphabet. Après une introduction de 34 pages, il commence par A, Allah, Al-Watan, Al-Malik, Dieu, la patrie, le roi. Il passe par la lettre G, gazelle, la petite, un animal qui lui fait penser à la poésie. Je continue avec les initiales de mon nom. La lettre qui suit pour mon nom, c'est à ce moment-là Q, Kassida, ode ou improvisation vocale. R, rap, trap, hip-hop, regarde, rai. Là, on arrive à la culture d'une jeunesse globalisée. Pour terminer avec la dernière lettre Z, la lettre rouge de l'alphabet amazigh, ou la première du mot Zayouias, ce qui signifie confrérie. Cette approche alphabétique confère au livre une fraîcheur tout à fait particulière et permet à l'auteur de sauter de l'un à l'autre en nous faisant participer à ses idées souvent imprévues. Sans être spécialiste de la langue française, à mon avis, Jean-Claude Martinez a une langue très fleurie. Ma conclusion sera très subjective. Le Maroc, notre très proche voisin et l'Union européenne sont destinés à coopérer, qu'ils le veulent ou non. Ils s'influencent réciproquement, et ça, depuis plus de quelques siècles, comme je l'ai dit, mais malgré tout, ils restent différents. Ce qui explique peut-être pourquoi, à la demande d'adhésion du roi Hassan II, la réponse a toujours, du moins jusqu'à présent, été non. Mais on ne peut pas regarder dans l'avenir et on peut apprendre beaucoup l'un de l'autre. Et les heureux, surtout que la distance a déjà été mentionnée par notre président. La distance Maroc-Union européenne est exactement de 15 km. Merci de votre attention. Bon après-midi. Merci à Godeliv qui se donne le rôle pour cette présentation exhaustive. Godeliv est notre collègue des membres de l'administration et là fait un complet vraiment. Qu'est-ce que je peux dire? Il a parlé de l'histoire de Jean-Claude Martinez, de tous. Merci, Godeliv, parce que ça a été impressionnant. Ça, c'est le 12e rendez-vous de Librorum, l'initiative créée pour mettre en valeur les livres des membres de l'Association des anciens députés européens, qui rassemble près de 750 anciens députés européens de tous les pays de l'Union européenne et de tous les horizons politiques. Comme on l'a déjà dit, nous vous présentons aujourd'hui les livres de notre membre français Jean-Claude Martinez, intitulé « Les grands livres des civilisations du Maroc ». Cet ouvrage de plus que 800 pages a été imprimé en français par Jean-Cyril Godefroy. Et un livre qui fait presque un kilo, ça veut dire qu'il est un lourd livre, non? Et ce livre, c'est un livre présent le Maroc, un pays moderne, ancré dans une civilisation millénaire, sous forme de dictionnaire encyclopédique, comme a dit Godeliv. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est l'histoire
proche de la France, mais c'est, comme on savait, une nation fière de son histoire, attachée à son roi et tournée résolument vers l'avenir. Et je tiens surtout à saluer le président Klaus Sanche, qui a ouvert l'événement, mais il a qualifié le Maroc des pays fascinants et a également rappelé la légende du film Casablanca. Et je tiens aussi à remercier le vice-président à la recherche et au développement de l'Université internationale de Rabat, Abdelaziz Benjoua, qui a fait des observations très intéressantes et a qualifié les livres d'œuvres uniques et impressionnantes. Et c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Je voudrais passer la parole à Jean-Claude Martinez avant d'ouvrir le débat, mais je voudrais dire quelque chose sur Jean-Claude. Moi, je connais Jean-Claude Martinez quand j'étais au Parlement européen. Ça a été impressionnant parce qu'il était vraiment toujours attentif. Il voulait parler toujours, de tout, mais en tout cas, la parole, ça a été vraiment liquide, comme on peut dire. Et c'est déjà dit qu'il est un professeur université, il a été, mais en tout cas, il a fait un grand travail quand il était au Parlement européen, il était pour 20 ans, ça veut dire beaucoup. Et, comme a dit Godelive, il est un grand expert du Maroc, parce qu'il était parti pour la coopération au Maroc, il a été nommé chargé de mission de l'Inspection générale des finances et directeur de l'étude à l'École nationale d'administration de Rabat. Ça veut dire aussi qu'il connaît bien le Maroc dans beaucoup de temps ici. Il a été aussi conseiller fiscal d'Assemblée. Ça veut dire qu'il connaît bien aussi les rois et toutes les choses. Alors, je voudrais savoir, avant de donner la parole à Jean-Claude, c'est IP. Il a tout écrit dans ce livre ou il y a quelque chose qu'il a caché. Ça, je crois aussi que pour les relations avec les rois, je crois que quelque chose est caché. Hein? Et peut-être nous voulons savoir ça. Et en tout cas, une autre chose, l'image de la couverture, parce que l'image, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Tu peux expliquer un peu ce que c'est cette image et qui l'a choisie. Alors, je donne la parole maintenant à Jean-Claude Martinez. Bon ben, merci Monica et surtout merci Godelive. Je ne regrette pas d'avoir voté tout le temps quand il y a des élections pour Godelive. Je ne regrette pas. Merci. Mais le président, notre président Hinch rappelait ce moment et cette photo très célèbre où il y a Winston Churchill, Roosevelt et assis à côté de Winston Churchill et Roosevelt à Casablanca, il y a Sa Majesté Mohamed V. Et derrière, il y a le prince héritier qui sera le géant, mais le géant marocain et planétaire, Hassan II. Et ce jeune prince, qui a une douzaine d'années, sert d'interprète, il traduit à son père la conversation avec Roosevelt et la conversation avec Churchill. Alors, vous comprenez, quand le Maroc a été dirigé par un géant de la dimension de Hassan II, qui a connu Churchill, Roosevelt, ne vous étonnez pas de la politique extérieure fascinante, extraordinaire qu'il a pu mener. Moi, j'ai été un de ceux qui a été un petit peu en charge du dossier d'adhésion du Maroc à l'Union européenne. À l'époque, c'était la Communauté économique européenne. Je dois dire que j'étais pour, parce que tout ce que faisait Hassan II, j'étais pour. Il avait une vision extraordinaire, ce qu'on ne sait pas. La vision d'Hassan II est la vision de beaucoup de sultans. On ne sait pas que le sultan, un des sultans marocains des 7e siècle, envisageait la conquête de l'Amérique du Nord et a négocié avec la reine d'Angleterre, Elisabeth, pour qu'elle lui fournisse des bateaux. Et la reine a hésité dans son conflit avec l'Espagne si elle avait fourni les bateaux au sultan qui avait la capitale à Meknès. Aujourd'hui, l'Amérique du Nord, les États-Unis seraient marocains. Je referme la parenthèse. Mais c'est vous dire qu'il y a, chez Hassan II évidemment, mais sur l'ensemble des sultans, et aujourd'hui on dit roi,
une grande vision. Il y a toujours la vision planétaire qui est due au fait que, comme disait Sa Majesté Hassan II, le Maroc est un arbre dont les racines sont en Afrique et dont les cheveux, dont la tête sont en Europe, surtout avec la dynastie Almoravides ou Almohade, l'Espagne, moi je m'appelle Martinez, l'Algérie, toute l'Afrique du Nord, c'était un immense empire. Voilà, c'est un livre que j'ai écrit 5 ans, ça ne se fait pas en 5 minutes, mais c'est le livre d'une vie au Maroc, qui a été fait avec ce qu'ont appris mes étudiants et mes étudiantes, mais ce n'est pas ça, Monica, que je cache. Ce que je cache, mais je ne pourrai jamais le dire, c'est toutes les missions que j'ai été amené à remplir au Maroc et ailleurs. Mais c'était ça le génie de Sa Majesté Hassan II, qui fait partie de ce carré magique, puisqu'il y a Mohamed V, Sa Majesté Hassan II, Sa Majesté aujourd'hui Mohamed VI, dont moi qui étais à l'enterrement et qui étais aux premiers actes de la Béa, au mausolée, et le soleil tombé, on était le 24 juillet, et c'était en fin de soirée, et on se disait, mais peut-on succéder à Hassan II? Ben oui, oui, on peut succéder à Hassan II, revenir dans l'Union africaine, construire, et Abdelaziz Benjouan est là le vice-président, construire une université fantastique qui est celle de l'Université internationale de Rabat, sur des dizaines et dizaines d'hectares, avec des facultés à l'intérieur de médecine, de technologie, d'ingénierie, de droit. Et on peut avoir cette université où le prince actuel, le prince Hassan, est scolarisé, si j'ose dire, et va rentrer en troisième année de droit, et bouclera ce carré magique, Mohamed V, Hassan II, Mohamed VI. Et un jour, c'est ça le génie du Maroc, où la transition est assurée tranquille, un jour, ce prince héritier qui est aujourd'hui à l'université que dirige notamment Abdelaziz Benjouan, la grande université internationale de Rabat. Voilà, c'est un livre que j'ai écrit avec ça ne s'écrit pas simplement avec le cerveau, un livre sur 5 ans, on ne fonctionne pas uniquement avec le cerveau et en mangeant des dates. Mais ça s'écrit, il faut avoir un souffle, il faut le ressentir avec l'aide, les confidences des uns et des autres. Ce que je voudrais dire, que quand Sa Majesté Hassan II pose sa candidature à l'Union européenne, après tout, on a eu la candidature de la Turquie, elle est encore là, la candidature de la Turquie, même s'il y a une partie européenne, c'est pas simplement parce qu'on est à 15 km de l'Espagne, c'est pas simplement parce que les premiers percements d'un tunnel ont été faits, on était fait côté marocain pour rejoindre de l'autre côté, mais parce que la donne stratégique eût été changée. La France a connu des événements dont Monica me demandait de parler, j'en parlerai pas, mais il y a une vidéo de Sa Majesté Hassan II, et je conseille à tout le monde d'aller la voir en ligne, qui annonçait ces événements et qui disait ce qu'il fallait faire pour ne pas qu'il y ait ces événements. C'est-à-dire la fantastique prescience, vision. Et le coup de génie d'Hassan II, notamment l'homme de la Marche Verte, qui est une des grandes épopées, la Grande Marche de Mao Tse-Tung, est une marche de défaite, en retraite. La Grande Marche de Hassan II est une marche de victoire, pas un coup de feu, rien. Et on conquiert 200, 270 000 km² du territoire historique du Maroc. Pardon, je vais créer une crise diplomatique. Mais historiquement, le Maroc avait Tindouf et allait jusqu'au fleuve Sénégal. Mais je referme la parenthèse. Mais il y a eu cette vision d'Hassan. Alors aujourd'hui, bien sûr, il y a un partenariat privilégié avec le Maroc. Mais c'est sûr que cette candidature, bien sûr géographiquement, mais cette candidature relevait de l'immense vision stratégique de cet immense. Voilà. Alors j'ai écrit un peu son livre aussi à plusieurs reprises, parce que j'ai eu à un petit niveau l'occasion de le servir. Et dans ma vie politique, on m'a beaucoup reproché. Tout à l'heure, Monica, non, je ne sais plus, non, c'est Godelive qui parlait des tomates marocaines. On m'a reproché l'arrivée des tomates marocaines. Et tous mes électeurs disaient, si les tomates marocaines arrivent, c'est la faute à Martinez, parce que j'avais soufflé au cours de l'entretien à l'oreille, si j'ose dire, avec tout le respect et toute l'admiration que j'ai, filiale presque pour Sa Majesté Hassan II, j'avais soufflé
la nécessité d'exonérer de tout impôt, de toute charge, l'agriculture marocaine. Pendant 35 ans, l'agriculture marocaine a supporté aucune charge. Si j'ai réussi quelque chose dans ma vie de fiscaliste, celle-là, elle était de taille. Et si les tomates marocaines arrivent, c'est un petit peu à cause ou grâce à moi, je ne sais pas. Voilà. Mais si le Maroc joue, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Le Maroc est un grand facteur de stabilisation. Moi, j'ai même écrit un livre, Mohamed VI, le roi stabilisateur. Mais c'est dû à sa religion. Et c'est dû à la religion au rite malékite, qui est un rite de grande modération, et c'est dû au fait que le roi du Maroc n'est pas, comme on le répète tout le temps, ce qui est exact, n'est pas simplement le commandeur des croyants, il est le commandeur de la croyance. Sa Majesté, Mohamed VI, préside le Conseil des Oulémas, et dans mon livre, je le rappelle, il est arrivé, Sa Majesté à 102, de tirer les oreilles lorsqu'il y avait des dérives. Et donc, si le Maroc est un grand facteur de stabilisation, c'est dû à sa religion, mais c'est dû aussi à son roi et au fait qu'il est le patron, si j'ose dire, de la croyance. Un peu ce qu'au Vatican, on appellerait la congrégation de la foi. Voilà. Eh bien, le roi du Maroc est à la fois le patron de la congrégation de la foi. Il n'est pas simplement le commandeur des croyants, mais le commandeur de la croyance. Et c'est ce rôle. On parlait tout à l'heure des Monica, des événements dans mon pays. Un jour, lorsque ces événements seront amenés à se reproduire et malheureusement à s'exaspérer, c'est évident que la diaspora marocaine, avec la sagesse de sa formation malékite, avec les consignes presque implicites de son roi, jouera un facteur de stabilisation qui ne sera pas négligeable les moments de drame venus. Mais bon, on n'en est pas là. Voilà. Ben moi, je ne dis pas que j'ai regretté que la candidature n'ait pas eu lieu. Elle était trop audacieuse, trop à l'avance dans son temps. Mais peut-être j'ai regretté, ma chère Godelive, etc., que nos amis à l'heure actuelle parlementaires européens ne comprennent pas dans la tension régionale avec l'Algérie, qu'il ne s'agit pas de prendre parti pour ou contre. Les provinces sahariennes sont marocaines, toute personne, sans même lire mon livre, l'histoire le sait, mais nous avons, nous, un rôle à jouer, finalement, pour permettre ce que Sa Majesté Sandor avait lancé, l'union du Maghreb arabe, l'intégration du Maghreb. Tout passe pour la sécurité du flanc sud de l'Europe, tout passe par le fait que la Tunisie, l'Algérie et le Grand Maroc arrivent à retrouver la voie qu'avait tracée Sa Majesté Hassan II de l'Oumma. L'Oumma, ce n'est pas simplement un terme arabe. L'Oumma, l'union la communauté des croyants, mais c'était l'union du Maghreb arabe. Ce n'est pas par hasard. Sa Majesté avait choisi ce terme. Voilà, ce serait le rôle de l'Union européenne, surtout après les élections et du futur Parlement européen, après les élections de 2024, de comprendre que nous devons pousser à la roue de cette intégration du flanc sud de l'Europe et de la Méditerranée de façon générale. Voilà, c'est un livre où j'ai mis tout mon cœur, c'est un livre presque de Marocain. Et je termine par une dernière anecdote. Un jour, avec le grand ministre de l'Intérieur, mais bon, voilà, c'est une autre histoire, que j'avais appelé le Richelieu marocain et qui s'appelait Idriss Bazri, il y avait à Meknès une grande réunion sur la construction, sur une charte communale de 1976, et Sa Majesté décorait tous les participants et distribuait une médaille à tous les participants. Et moi, j'ai eu comme médaille la phrase suivante: le ministre de l'Intérieur souffle à l'oreille de Sa Majesté à 102, en disant, mais il y a le professeur Martinez, là, il faudrait peut-être lui donner quelque chose. Et Sa Majesté répond: les médailles, c'est fait pour les étrangers. Bah, je n'ai pas eu la médaille, mais j'ai été marocanisé par Sa Majesté à 102. Alors, ne vous étonnez pas si je suis si je suis à 102 à la vie, à la mort. Voilà, mille fois merci au président Ange, mille fois merci à Elisabetta, mille fois merci à Godelive qui m'a permis de ne pas avoir de regret de voter pour elle. Plein d'affection à Monica, devant laquelle j'étais toujours en admiration. Et puis merci à
mon cher vice-président Abdelaziz Benjouat, et j'espère qu'on va se revoir tous les deux. Et puis, je crois qu'il va falloir inviter tous nos amis qui sont là, pour les inviter, inviter au Maroc. Bon, à l'époque, j'avais un petit pouvoir. Il me suffisait d'aller au Maxen et de le dire. Mais bon, grâce peut-être au vice-président Benjouat, on va essayer de trouver là le moyen d'inviter Monica, d'inviter Godliv, Elisabetta et le président, et notre président Hinge, que je salue. Moi, j'ai été parlementaire sous sa présidence. J'espère que je ne l'ai pas trop embêté. J'ai été un garçon bien obéissant à ce que disait mon président. Merci. Merci. Merci, Jean-Claude. Alors, je voudrais aussi saluer quelqu'un qui est connecté. Et notre collègue du conseil d'administration, le secrétaire Teresa Riera Madurel, Michael Hindley, in English, French, we speak in English now. I want to say hello to Jan Mulder, Margherita Sarkevicite, Brigitte Langenhagen, Vitaliano Gemelli, Renate Heinisch, our Renate. So, if you want to take the floor, you have to, with your hand, right hand, you can connect with the button. So, il faut lever la main via réaction. C'est écrit dans la chat. We wait for somebody for asking. We have the opportunity to speak with Jean-Claude Martinez. On avait l'opportunité de parler avec l'auteur. Il est très attentif. Et c'est aussi important parler du Maroc. Et Teresa, tu viens de l'Espagne, you are from Spain, so you are very close to Morocco, just 15 kilometers. So maybe you have something to ask even to the professor Abdelaziz Benoit, but first of all, Jean-Claude Martinez. So Teresa, do you want to ask the floor? Yes, so. Open your microphone. Teresa, ¿qué pasa? No se puede escuchar. Ahora sí. Yes, now it's okay. Now it's okay. Oh, sorry, because I'm in the office in Barcelona. No. I start congratulating my chair colleague and me, Jean-Claude. It's very strange for me to speak in English with Jean-Claude because we speak in Catalan because as it's clear he is from the it's Catalan, the Languedoc. And of course, it was previous was we spoke in historically the same language. So, and I was very surprised that someone from another party, very different, we can communicate in Catalan. So it was really a pleasure always to meet Jean-Claude, and we have had long conversations and about everything. And it's always a pleasure. Unfortunately, I have not read the book yet, so I am sure I will be plenty of questions for you. Of course, you are an expert, but maybe we have to discuss many different things, I am sure. But at that moment, you can imagine, for me, I will read it really seriously. I will read it with great interest, as Monica says, for the Spanish. It's an important country, a very interesting country for Europe, of course, but these 15 kilometers are the first member state you find there is Spain. But in a natural way, in my normal work in the university, and also because I live in an island, a Mediterranean island, and very close also to Morocco, that I have plenty of friends from that country. So it's a country very, very, very close to
to, of course, geographically, but also in culture and in, you know, and in relations. As I mentioned, we had good, important relations with some universities there. I have friends, ambassadors of Spain in Morocco. It has been many times very close friend of mine. So I had the opportunity to learn a lot also through them about the country, and of course in my political work also, because as you all of you know, I was very much involved, and I am in fact in everything related to science, technology, universities, of course, innovation. And in the time I was in the European Parliament, we started a project that many different, especially close to the Mediterranean area, we tried to promote since many years. And finally, we got that. And it's the Prima program partnership for research, innovation in the Mediterranean area. And now it's working very well. It's really, you know, at the time we talk a lot about science for diplomacy. So this one is a very good example of science for diplomacy, because it's a natural network that can be promote strong relations and deep relation, because science, everything related to science is deep and well argumented in that area, that we have a lot of common history and a lot of common interest and a lot of love, because we are very close together. So I promise you, Jean-Claude, that I will read with great interest your book. And in the next time we meet in Brussels, we will discuss about that. Thank you. Thank you for, and congratulations. This is like a son, so to have a book like this. So congratulations. Hi, Teresa. Thank you, Teresa. Thank you. So in December, we want to know what you read. And Michael Hindley, he's, as you know, he's expert because he's our responsible of EP2 Campus. And you spoke about universities too. And we have the chance now, because Jean-Claude Martinez is professor, professor, then you are a professor. And Teresa still, she's in the same, in the same field. So Michael, do you have any question to ask? Because maybe with the professor in Morocco, we can organize something, because it'd be important for us to continue in this with this book. Maybe could be conduction of something important for the university. Michael. Bonjour. Est-ce que vous m'écoutez? C'est qui parle? Monsieur Jawad Kadoudi. Oui, c'est le président de l'IMRI. Le président, pardon, j'ai pas compris. Le président de l'Institut marocain des relations internationales de l'IMRI. Alors excusez-moi, Michael, you speak later after him. Sorry. Okay, and you try to open the microphone in the moment, Michael. Oui, so, président Kadoudi, c'est un plaisir. Alors, à vous la parole. Merci de me donner la parole, et je voudrais indiquer que j'ai invité M. Jean-Claude Martinez au siège de notre Institut marocain des relations internationales, où il a présenté son livre avec beaucoup de succès, et je suis en train de le lire. Je n'ai pas terminé parce que c'est un très très gros livre. Mais en tout cas, ce que je peux témoigner, c'est que M. Jean-Claude Martinez connaît parfaitement le Maroc. J'ai appris, moi qui suis marocain, j'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas et que M. Jean-Claude Martinez a mis dans son livre. Et c'est un livre très agréable à lire. Et je remercie aussi
Monsieur Jean-Claude Martinez pour l'intérêt qu'il porte au Maroc et aussi pour défendre toutes les causes du Maroc. Et comme vous le savez, notre cause principale est celle du Sahara marocain. Et donc, je voudrais terminer en le remerciant et en vous remerciant de m'avoir donné la parole. Vous n'avez pas une question à poser à Jean-Claude Martinez, président? La question que je voudrais lui poser, c'est comment. Il a dit que c'est un travail de 5 ans, mais je voudrais savoir comment il a pu obtenir toutes les informations, même dans des petits villages. Comment est-ce qu'il a visité tout le Maroc, ou bien je suis sûr aussi c'est avec des amis et des relations qu'il a pu faire son livre, qui encore une fois, donc ma question, comment avez-vous pu faire ce livre d'un kilo, comme avait dit quelqu'un tout à l'heure? De façon très simple, c'est qu'en fait je suis très inconscient, quoi. Je m'appelle Martinez, donc je suis pas suédois, et je pars toujours à la conquête des moulins à vent, quoi, finalement. Mais je dois dire, le président Cardoudi est bien placé. Par exemple, sur Skirat, j'ai utilisé toutes les confidences du président Cardoudi, qui a écrit 3-4 pages magnifiques sur ces événements tragiques. Et sur les petits villages, ben, j'ai eu la chance, et j'ai toujours la chance, d'avoir de nombreux étudiants et étudiantes marocaines qui m'ont fait 1000 confidences, notamment une de mes étudiantes, professeure, enfin, institutrice dans un petit village du Rif, et grâce à mes étudiants, et puis mes collègues, le doyen de la faculté des lettres de Rabat, et puis 1000 collègues. Je salue d'ailleurs le président Issaouiri qui a assuré la correction même orthographique de ce livre. Sans mon président marocain, ce livre serait moins présentable. Voilà, mais ça s'écrit si on le porte en soi, si on a une immense expérience, et si chaque fois qu'on écrit, on voit le visage des hommes, des femmes, des enfants avec lesquels on a vécu, que l'on a connu, voilà, des milliers d'étudiants. C'est une vie de tous les jours, des jeunes, des nuits de jeunes, je fais une confidence. La première fois que je vais passer les oraux à Rabat, sous une chaleur, je ne sais pas s'il y avait déjà le réchauffement climatique, c'était au mois de juillet 1976, dans les jardins de l'université Mohamed V, sous les tilleuls. Chacun des étudiants, il y en avait 2000-2500 qui venaient passer l'oral. J'étais entouré, j'étais un petit point dans une grappe d'étudiants dans le jardin qui m'entourait. Chacun me racontait son histoire, me faisait ses confidences, m'apprenait 1000 choses, m'offrait même des pierres, parce qu'ils savaient que j'adorais les minéraux, ce qu'ils n'auraient pas dû faire pendant l'oral. Voilà, j'ai même fait passer des oraux en prison avec des prisonniers que je cite maintenant, dont certains ont été des poètes extraordinaires. Mais bon, la confiance des autorités me permettait, etc. Bon. Et puis, quand on est, j'ai eu la chance de faire partie du Magzen par ministre de l'Intérieur. On apprend des choses parce qu'il y a des dîners. On est là, on entend, on voit, on sent. Et puis parce que je suis quelque part, je m'appelle Martinez, 7 siècles d'occupation almoravides et almohade. Donc je suis un peu descendant almoravides ou almohade. Il y a une complicité qui se fait, qui est quasi génétique. Mais Monica, c'est un peu pareil. Nous sommes des gens de la Méditerranée. Voilà. Et quand je suis en Italie, je parle avec les mains, voilà, tout le monde comprend. Et voilà, quand je vois Berlusconi, je dis « Forza Italia ». Il n'est plus là, Berlusconi. Je sais, il m'arrive de le regretter.
Voilà. Non, non, mais cher président Kerdoudi, voilà, ça s'écrit intuitivement et puis on laisse parler tout ce qu'on a assimilé, tout ce qu'on a vécu. Ma fille est née au Maroc, il m'arrive d'aller voir à Rabat ma petite villa de l'extérieur. Et voilà, c'est toute chose. Ce sont des mémoires, en fait, que j'écris. Ce sont les mémoires du Maroc vécues par Martinez. Et puis, toutes les confidences que j'ai eues, comme vous, cher président Kerdoudi, qui étiez à Skirat, à plein ventre, pensant que c'était un film contourné et découvrant que ce n'était pas du tout un film. Et puis, notre cher ami Wadzani, chef d'une grande tribu, voilà, et ce sont des heures et des jours et des nuits de conversation, de confidences avec le secrétaire général, ancien élève de Barthes, secrétaire général de l'Institut de l'IRCAM, voilà. Mais mon amie Teresa, oh là, Teresa, qui est en BR, Teresa qui est aussi la Méditerranée, bon, ben, voilà, elle sait tout ça. Il existe un grand peuple, la Méditerranée, il existe un grand peuple, et en tout cas, au moins une civilisation de la Méditerranée, voilà, dans laquelle le Maroc fait partie. Ce qui fait que quand je suis arrivé au Maroc, au moment de la marche verte, d'emblée, je me suis senti chez moi, quoi. C'était toute ma génétique héritée, non pas des Néandertaliens, puisqu'on a 3% de Néandertaliens, mais héritée de l'empire almoravidez, almohade, qui a été un empire méditerranéen. C'est tout ça qui a parlé. Et ce livre, c'est mon inconscient qui parle, c'est ma génétique, c'est mille choses. Et puis l'intelligence aussi, l'intelligence stratégique du pays, finalement. Voilà. Nous devrons intégrer la Méditerranée. Pour intégrer, il faut un môle fixe. Et le seul État stable aujourd'hui, c'est le Maroc. C'est un grand État. Moi, j'ai participé à la construction, comme disait un grand ministre de l'Intérieur à l'époque, la construction d'un État moderne qui s'est continué avec Sa Majesté Mohamed VI et qui se poursuivra un jour avec le prince rayonnant d'intelligence. Bon, un jour, il faudra intégrer tout cela. Il y a des États qui sont instables, la Syrie, etc. Et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus solides parce qu'ils remontent. Dans l'histoire de France, le Maroc remonte à Charlemagne, l'an 800, quoi, finalement. Voilà. C'est sur ce pilier-là qu'on construira, c'est un de ces piliers. Quand on a construit l'Union européenne, on parlait des piliers, mais quand il faudra construire la Méditerranée, il va falloir le faire. C'est évident que le pilier marocain sera un des piliers principaux. L'Espagne aussi, et la Catalogne tombée. mais voilà, on a la chance d'avoir, et puis le peuple marocain, qui est un peuple difficile, hein, au moins aussi difficile que le peuple français. Le peuple marocain, qui est un peuple difficile, est aussi un peuple chaleureux. Mais le Maroc est un grand pays parce qu'il y a, depuis des décennies et décennies, de grands patrons, grands rois. Il ne faut pas chercher ailleurs, hein. Il n'y a pas de miracle, il y a un père. Et un père qui parfois... Et sévère, à juste raison. Voilà, Teresa et cher président, mille fois merci d'être là et j'espère bientôt qu'on se revoit à l'Imbri et avec Hassan. À très vite. En tout cas, bravo pour ce que vous avez fait et vous êtes toujours le bienvenu, non seulement à l'Imbri, mais au Maroc, qui est votre second pays, je pense, après la France. Bien sûr. Oui, bien, merci. Alors, on va continuer un peu. Et j'ai vu que Michael Hindley, il est parti, il n'est pas là. Peut-être Renata Heinisch. Renate, do you have any remarks? Renate? And Margarita Starkevich, do you want to say, to ask him something? Yeah. Okay, so you have the floor, Margarita. Do you hear me? Okay. Yes. So my question, you know, I'm quite far away from the region, but very interested in what is
Mr. Martinez think about future developments in the region, especially given the Sahara issue and migration issue? What he sees the main issues for cooperation between Morocco and European Union in the future? Okay, Jean-Claude, you can answer us. Then we have another question, but answer now and so. Mais d'abord, je suis content de voir Margarita, que je salue et que j'embrasse, quoi, finalement. Bon, oui, c'est bon. Si on reste dans l'immédiat, le Maroc a, pour le moment, il y a beaucoup de tensions avec la France, mais aussi avec l'Algérie. Mais bon, tout ça vu sur la longue période, avec les visions que m'a appris à voir Sa Majesté 502. Tout ça se stabilisera. Et puis la géographie, l'histoire, tout condamne, si j'ose dire, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et l'Europe à essayer de faire un ensemble commun. Alors, ça prendra le temps que ça prendra. C'est l'avantage de la royauté marocaine, c'est que après Mohamed VI, et j'espère dans des décennies, le futur roi, sera peut-être le prince de l'intégration de la Méditerranée. Alors, je crois que la balle est aussi dans le camp de l'Union européenne. Il faut, encore une fois, je me répète, comme les vieilles personnes, cette affaire du Sahara marocain, voilà, il faut, les faits sont là, les faits sont têtus, c'est fait, allez à Dakar, vous verrez que les histoires sont réglées, que des ports sont en construction, qu'un TGV arrivera, voilà, nos amis algériens, c'est fait. Voilà. Dans l'intérêt de tout le monde, parce que je le dis, je ne veux pas lancer de polémique, mais un micro-État polisarien au Sahara, dans le contexte du Sahel, des trafics de drogue qui arrivent de Colombie, qui arrivent sur l'océan Atlantique, des trafics de personnes, etc., serait un facteur de grande déstabilisation. Voilà. Et donc, c'est pas. Et nos amis algériens, un jour, malheureusement, le pétrole et le gaz seront terminés et voilà, il faudra revenir sur terre. Et donc, c'est le rôle du prochain mandat du Parlement européen, cher président Heinz, de comprendre qu'à un moment donné, il faut tourner la page, les provinces aériennes, c'est fini, et expliquer à nos amis et les aider, participer, lancer. Moi, j'étais membre, Monica n'y était pas encore, mais du Parlement Romet. Le Parlement Europe Méditerranée, le général Morillon, etc. Il faut aller un peu plus loin dans cette voie. Il y a deux parlements. Il y a un parlement de la Méditerranée dont le secrétariat général est à Malte, et puis il y a celui qui est drivé par l'Union européenne, qui était l'Euromed. Et les Espagnols, Teresa, jouent un rôle, le processus de Barcelone, très, très, très important. Mais il faut aller plus loin, voilà, on ne peut pas continuer, on a essayé de faire l'union de la Méditerranée, l'union pour la Méditerranée, alors qu'il fallait faire l'union de la Méditerranée, et pas pour la Méditerranée, l'union de la Méditerranée. Peut-être, c'est le prochain mandat, il va falloir s'y mettre à travailler là-dessus. Voilà, créer une politique agricole méditerranéenne, il y a une PAC, une politique agricole commune. Eh bien, il faut créer une PAM, une politique agricole méditerranéenne. Il faut créer une PAM qui permettra c'est le problème de réchauffement climatique, le problème des brevets sur des semences. Je crois que la prochaine étape du Parlement européen, c'est de penser, d'avoir la vision d'une PAM, d'une politique agricole méditerranéenne, parce qu'elle va se poser le problème, indépendamment de la guerre d'Ukraine, le problème alimentation en céréales, même si l'Afrique du Nord a été à l'époque romaine le grenier à céréales de Rome, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Voilà, il va falloir beaucoup de, chère Margarita, voilà, beaucoup d'imagination, même si Margarita est plus loin de la Méditerranée, mais il faut être capable de concevoir de nouveaux instruments intellectuels, et la PAM est un de ces instruments, une politique agricole méditerranéenne. Et puis, il faut mettre voilà, la diplomatie européenne, Borrell, Catalatambe, Borrell devrait penser cela. Je ne sais pas s'il sera là la prochaine fois après 2024, mais devrait penser une politique de l'Europe
non pas de coopération donnant 3 francs 6 sous à la Turquie, au Maroc, pour qu'ils retiennent un petit peu de la migration, mais d'avoir une grande vision d'intégration à l'Europe. Et voilà, quand il y a eu la Syrie, on devait jouer un rôle de stabilisation en Syrie. Quand dans l'affaire du Sahara occidental, on aurait dû jouer ce rôle et pas faire des procès à la Cour de justice de l'Union européenne, ce qui était absurde, absurde. Voilà, Margarita, il y a... allez, pour la prochaine, le prochain Parlement européen, il faut mettre, comme on disait en mai 68, l'imagination au pouvoir et avoir la vision d'Assemblée, comprendre que la Méditerranée est un lac intérieur, il faut intégrer ça rapidement. Bon, il n'y a plus Rome pour l'intégrer. Ben, je sais bien qu'à Bruxelles, on n'est pas très méditerranéen, mais il faut. Et avec l'aide du Maroc, c'est pour ça que j'étais pour la candidature. Enfin, quand il y a eu la candidature de Sa Majesté à la communauté européenne, j'ai senti immédiatement où était la vision. C'était peut-être un coup de poker. Ce qu'il voulait dire, c'est que il allait falloir travailler ensemble. C'est ça que voulait dire ça. Voilà, Margarita, te salue. Jean-Claude, merci. Alors, et je pose une question parce que j'ai vu qu'il n'y a pas d'autres questions. Et c'est quelque chose que je voudrais savoir, parce qu'on n'avait pas parlé, de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Qu'est-ce qui se passe au Maroc? Parce que c'est une question qu'on parle toujours à l'Union européenne et à les Nations Unies, etc. Et est-ce que tu as préparé ça, Jean-Claude? Tu sais quelque chose de l'égalité entre les hommes et la femme? J'ai écrit une dizaine de pages sur la femme marocaine. C'est ça que j'ai... Mais tu n'as pas parlé, c'est ça que je voudrais savoir quelque chose maintenant. Si vous voulez, si la femme, c'est Leïla Slimani, prix Goncourt en France, bon, ben, c'est évident, c'est pas pareil que la femme du petit Fella ou les femmes qui, tous les matins, chargées de baluchons, essayaient de passer à Melilla pour essayer de vendre de petits trucs. Mais mon expérience, bon, non pas des femmes, mais mon expérience du Maroc, fait que nous avons une vision, nous, qui est un peu spéciale. Moi, j'explique dans le livre que, si vous voulez, le prince du Maroc, le prince héritier, est la ligne d'horizon. Le roi, dans le bateau marocain, le roi est la ligne de flottaison. Mais la femme marocaine est la quille du bateau, finalement. Je l'explique longuement, une partie du miracle marocain, de l'exception marocaine, vient, j'en suis persuadé, vient de la monarchie. Ça, j'en suis intimement persuadé, même si la France fait la révolution en 89, etc. Mais une partie de l'exception marocaine qui fait que le Maroc tient le coup, alors qu'il y a beaucoup de raisons pour que le Maroc ne tienne pas le coup, qui fait que le Maroc tient le coup, c'est dû à la femme marocaine. La femme marocaine est un des facteurs stabilisants clés de la société marocaine. Alors, contrairement à ce que vous imaginez, moi, pour être allé dans beaucoup de maisons, enfin, étant suffisant, le gouverneur Bernoussi me faisait l'amitié d'avoir le droit de dîner, son épouse était là, etc. etc. Dans la maison, la femme est le patron. Hein. Voilà. Faut pas se leurrer. Faut pas se leurrer. Hein. Et l'homme marocain est obéissant. Hein. Non, non, mais la femme marocaine n'est pas comme le peuple marocain. Hein. C'est un peuple. Il y avait les derniers lions étaient dans l'Atlas. Hein. Donc, s'il y a des lions, c'est qu'il y a des lionnes. Hein. S'il y a des lions, c'est qu'il y a des lionnes. Hein. Ne perdez pas ça. Alors, au standard européen, écoutez, moi, j'ai mes étudiantes marocaines qui n'ont rien à apprendre des petites jeunes filles françaises et qui pourraient leur en apprendre beaucoup. Voilà. Bon. Donc, vu au standard européen, la libération, la femme, de la liberté, etc., etc., et pas toutes les marocaines, évidemment. Si je suis dans l'Atlas, c'est pas pareil que mes étudiantes de Oujda, mes étudiantes de Rabat. Mais mes petites étudiantes sont déjà dans la modernité la plus sociétale possible et imaginable. Voilà. Je ne dis pas que le défi pour le Maroc, c'est le titre d'ailleurs d'un livre Sa Majesté Assemblée, le défi pour le Maroc qui pour le moment a été réussi, c'est d'avancer sans casser le pays. Le Shah d'Iran a avancé, il a cassé le pays, il n'est plus là. Le génie marocain et le génie
voyez, Mohamed VI avance, voilà, il a fait le statut de la femme, il avance au rythme de la société. La pire des choses serait de casser le pays. Et le Maroc arrive à faire ce facteur de stabilisation. Alors, il faut que les Européens soient raisonnables. Oui, bon, il n'y a pas de drankin encore dans les rues du Maroc. Voilà. Mais même sociétalement, le Maroc avance. Vous savez, moi, j'ai visité il y a le musée d'art moderne à Rabat. Vous avez des peintures interactives. Vous avez des peintures qui sont audacieuses, quoi, finalement. Voilà. Bon. La femme, il n'y a pas la femme marocaine, il y a des femmes marocaines selon les conditions géographiques, économiques, etc. Mais ça avance à une grande vitesse. Mais encore une fois, la force du Maroc, c'est d'avancer de façon maîtrisée. Personne ne gagnerait à ce que le Maroc avance à la vitesse du chat d'Iran et puis connaissez la suite à l'Iran. Voilà. Le talent marocain, c'est la modération, c'est d'avancer pas après pas avec des progrès. Écoutez, en France et en Italie, chère Monica, on a eu des difficultés à avoir des masques. Les masques étaient en vente dans les supermarchés du Maroc, en pleine crise, et à des prix abordables, quand il n'y en avait pas en France. C'est tout. Le Maroc a presque pu exporter des masques à l'ensemble de l'Europe. Voilà. Je sais bien que nous, Français, Européens, mais je rassure, les femmes marocaines ne sont pas... Il y a des exceptions, évidemment, chaque pays avance à sa porte. Mais ne sont pas dans l'état d'esclavage que chacun imaginerait, quoi, finalement. La libération est plus qu'en marche. Elle est très, très en marche, la libération, très en marche. Ben, écoutez, il suffit de voir, mais vous n'en recevez pas, mais les SMS, voilà, moi j'ai plein d'amis, je reçois des vidéos, je reçois des SMS de mes étudiantes. Il n'y a rien à envier à l'avant-garde la plus avancée du féminisme européen. Il n'y a rien à envier. Voilà. Mais voilà, c'est le seul reproche que je ferais à Leïla Slimani et ou à Ben Jelloul, ou à Tahar, c'est qu'ils sont déjà européanisés, ils ont fini par oublier, quoi. Voilà. Ils ont fini par oublier que ce qu'amène la civilisation du Maroc, ce n'est pas d'être l'Europe. Si le Maroc devenait l'Europe, tout le monde perdrait. La biodiversité du monde serait appauvrie. Il faut que le Maroc reste le Maroc, que la civilisation du Maroc reste la civilisation marocaine. Rassurez-vous, le Maroc fera le compromis. Hein. C'est un pays de compromis. Moi, j'appartiens à un pays dont le président s'appelle Emmanuel Macron. Et dans le slogan, c'est « en même temps ». En même temps. Eh bien, le Maroc, ça fait 1300 ans qu'il a appliqué cette devise « en même temps ». D'avance et en même temps, il ne casse pas. N'importe quelle petite jeune fille marocaine avec des super maillots, des super jeans, super moulants, a quand même ce génie sur les moments de vérité, la tradition. Ça, c'est vrai. Moi, j'ai vu dans les grands concerts à Rabat, dans les grands concerts de petites jeunes filles marocaines, des petites Lolitas, accompagnées de leur grand-mère. Et la grand-mère assise sur la pelouse pendant que la petite se croyait à Woodstock. Et je le raconte dans le livre. Et ça, c'est ce talent de la conciliation qui fait la force marocaine. Être d'avant-garde et en même temps ne pas oublier à l'arrière. Voilà. Voilà, Jean-Claude. Jean-Claude, merci beaucoup pour tous. Maintenant, nous sommes à la conclusion. Je veux dire, pour la femme et l'homme, il faut toujours regarder, parce que nous, on ne parle pas de féminisme, mais on parle des postes de commandement, pas de la représentative, mais postes de commandement, des stratégies. Hein? Et en tout cas, en conclusion, merci à tous ceux qui ont participé, en particulier aux intervenants et au secrétariat dirigé pour Elisabeth Fonck, pour Isa Menard, Valérie Raskin, Monica Ibarra, et tous les secrétariats.
Merci avant tout à le président Klaus Hansch. Ah, professeur Benoît, nous n'avons pas du temps. Vous avez une minute. Non, oui, oui. Non, mais c'est juste pour aller dans le sens de Jean-Claude Martinez et confirmer l'invitation à vous tous à visiter le Maroc. Si vous l'avez déjà visité, vous le revisitez. Le Maroc est votre pays, il est ouvert à tout le monde. Et nous avons prévu avec M. Jean-Claude Martinez d'organiser un événement de présentation de son ouvrage au niveau de l'Université internationale de Rabat. Et en cette occasion, on vous mettra au courant et on vous invitera. Voilà. Et merci pour l'organisation. Et encore bravo et félicitations à Jean-Claude. Merci, merci. Vraiment, nous serons contents de venir tout en Maroc. Sicuro, sicuramente. Bravo à Jean-Claude pour cet ouvrage sur le Maroc qui manquait à la bibliothèque et qui nous permet de savoir plus sur les us et coutumes de ce peuple, également à travers les glossaires arabes détaillés, que c'est un glossaire unique. What did you say, Jean-Claude? You said Morocco, a country just a few kilometers from Europe, with its roots in Africa, an Arab country with strong Muslim roots, a balcony to the world of migration and radicalization, but also a country where the Christian church has ancient traces dating back to the end of the second century in Tangier. So, for sure, we all agree to come to Morocco, and I like to say thank you to everybody. Le prochain rendez-vous à ligne de Librorum est fixé au 14 septembre à 5h. Et bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Thank you. Grazie. Buona serata. Grazie a tutti. A bientôt.